Pascal, ce soir je t'entends, je ne sais pas si tu m'entends. Christophe aussi, je t'entends relativement bien, ça a l'air de bien passer là. Et 88, à salut hôtel Eco 9, Alpha Unicorn, bravo. Allez Robert, je te repasse le micro au 65, Juliette Romeo Lampi de 4 India Papa Lampi. Thank you.
c'est Lima Radio, les 88 Daniel. Donc je salue tout le monde, c'était Laurence. Laurence qui vient de se signaler, est-ce qu'il y a quelqu'un de Google pour cette somme? Donc salutations à Christophe, les 88 à Samy, bonjour à Robert que j'avais déjà signalé, salut à Joachim, les 88 donc à Daniel et les amitiés à Laurent, est-ce qu'il y a quelqu'un de Pascal sur le 76? La scène maritime avec TDRM WX, un peu de vie après la nuit et les températures qui ont bien chuté. Voilà, en tout cas on dort bien et sur le tout de suite. Donc je retourne le micro donc sur Laurent, S4 Delta Google Laurent, S4 Delta 710. Fox 4 India November Papa pour l'ensemble du QSO, ici Fox 4 Delta Zulu Golf, en portable en direct depuis le Mont-Revard, bien le bonsoir à tous, et ce soir c'est difficile, hein. Ça craque pas mal, il y a des QSO un petit peu à côté là, et ça craque pas mal, il doit y avoir des orages à certains endroits, il y a de l'activité statique, ça c'est sûr. Hein. Voilà, moi, l'aéroport, alors moi Christophe m'arrive très très bien, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike, salut Christophe, amitié, 88 à Sani, 88 à Daniel également, amitié à tous les OM. Christophe c'est 59 plus 30 dB quasiment, la forêt claire ici du côté du Mont-Revard. Joachim, Fox de Catherine Dia Papa Yankee, 59 plus 10 dB. 5 Jury Grec Robert, 59 plus 10 à 15. Daniel, Fox de 4 Golf Lima Romeo, c'est difficile, hein, c'est limite du bruit, des craquements, là c'est 58, j'ai à peu près, je comprends 80% là. Et Pascal, là c'est plus difficile qu'hier soir, là c'est 58-59. Pareil, un petit peu limite, hein, mais c'est pas si tu es ça par contre 100%. Hein. Voilà les copains, j'espère que vous allez bien. Et nous on est toujours à la montagne le soir ici, hein, il a fait encore très très chaud ici dans les Alpes, puisqu'on est monté quasiment à 36 degrés là, cet après-midi, il y avait déjà 35 ici. Et on a déployé les 36 avec une fin d'après-midi très très lourde. On aurait cru qu'on allait prendre l'orage. Pas un brin d'air absolument étouffant. Donc on a pris le QSY là en direction du Mont-Revard. Hein. Voilà. Allez, je vais retourner le micro du côté de Christophe. Là, j'espère qu'il arrive à me sortir. Qu'il n'est pas trop embêté là, avec le bruit de réception. Là. Hôtel Bravo 3, Yankee Mike pour l'ensemble du QSO. Fox 4 Delta Zulu Golf portable. On a posé fort à vous. C'est pour ça qu'on est installé en hauteur.
parce que je supporte pas cette chaleur là-bas, bah, ça c'est pas pour moi. Voilà, autrement, bah, pour les activités de demain, bah, demain matin à 10h, je vais à l'hôpital pour contrôler ce jour. Et ensuite, on partira du côté de la Vallée du Vieux, là, pour s'arrêter à Villers-le-Lac. Il y a quelques commissions. Voilà, comme dirait Pascal, hôtel de l'Anti-Tambour, ne fais pas plus loin. Du côté de Joachim, France Catherine, bien Papa Yankee, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike, Mike et compagnie. Oui, merci Christophe, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike, Mike, pour France 4, et bien Papa Yankee, qui reprend après un petit blanc qui est resté blanc. Donc, je vous salue tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ici, la WX, on a encore 32 degrés, donc c'est un peu plus chaud qu'hier. Bon, c'est comme ça. Par contre, le ciel, il se couvre, il se découvre, il y a des nuages. Alors, ça menace orage, mais pour le moment, il ne tombe rien du tout. Un coup, il y a les nuages pour la pluie, et quelques minutes plus tard, ils ont disparu. Donc, ça va et ça vient, parce que ça préparera dans la nuit. Là, j'ai regardé la météo, enfin, les impacts de poudre sur le coin. Donc, il y en a au nord de Valence, entre Valence et Grenoble, et il y en a aussi pas mal du côté de l'Italie surtout, et un petit peu en Suisse sur Sion et la région de Berne. Voilà pour les impacts d'orage, en tout cas c'est vrai que ça craque pas mal. Pour moi aussi je vous entends, vous passez tous au-dessus pour le moment. Votre texte, Juliette Roméo Yankee de Fox 34, il n'a pas Papa Yankee. Et saluer tout le monde, tout le monde arrive sans son balle, mais des renforts approximatifs, il y a un QRS terrible de mon côté. Hein. J'ai cru qu'avec Kizi, j'ai vu que Laurent a beaucoup de QRS aussi. Hein. Ça craque beaucoup. Hein. Voilà, donc j'espère que ça arrive bien à la fin de l'hiver, pas de problème, tout le monde du Chloppy. C'est du 59, hein. Les bonnes 500 premières fois, les 88 en famille, bien sûr. Toi, Joachim et Charlie Papa Yankee, ça arrive 52. Daniel, quelques petits radio, pas de problème. Hein. 58, 59 aussi, avec le QRM. C'est bonne 513, 88 à 3. Et Pascal, le capitaine, il ne monte pas. Ça arrive bien aussi, là. Hein. 59. Hein. Voilà, et Laurent, S4 Delta de Lugos, 60, 59, 59 plus 10. Voilà, autrement, on parlera de vous, pas radio aujourd'hui. Bricolage à gauche à droite. Il a fait chaud un petit peu comme partout, mais il y avait un petit air qui rambiquetait un petit peu là, c'était beaucoup plus important. Voilà, on pensait qu'on allait avoir un peu de pluie ou de l'orage, mais on n'a rien vu venir. Voilà, aujourd'hui, c'était pour demain aussi, donc on va encore attendre, on va patienter, et on va continuer d'arroser. Allez, micro à Daniel, est-ce que tu dis la radio pour l'enfant du Gesso et Saint-Julien Premier ou Yankee? Thank you.
bien passé là, malgré les craquements. Pour ce 4 Indian November Papa pour l'ensemble du QSO. Pour ce 4 Delta du Google sont portables. Hein. Voilà les copains, ouais, ça craque pas mal. Hein. Mais ça c'est le jour. Voilà, par contre c'est marrant. Sur les autres bandes, moi j'essaie de ne pas mettre hein, là, juste avant de venir au QSO. Il y a un peu de propagation, hein, j'ai fait quelques QSO avec des stations brésiliennes, là, avec le long fil. Et 3 ou 4 stations en Israël, là, il y a des indicatifs spéciaux là, israéliens. Et je passais pas trop mal là-bas, là, du premier coup. Donc il y a un peu de propagation avec le long fil, on peut s'amuser. Voilà, par contre sur le 20 mètres, j'ai aucun craquement. Moi, je vous souhaite aujourd'hui une journée de pôle, comme je vous l'ai dit. Donc, un petit chaud, on est quasiment monté à 36. On est parti tout à l'heure, là, en fin d'après-midi, il y avait encore à peu près 34-35 à écrire. Hein. Très, très lourd. Et là, actuellement, température 18 degrés. Hein. 18 degrés ici à 1500 mètres. Voilà, donc il y a pas photo avec mon cuméra fixe, on va dire, la maison. Il n'y a absolument pas photo au niveau du confort, là on est bien mieux fixé. Des points là qui ont repris tout en arrivant tout à l'heure parce que le temps qu'on s'est avec la personne, on va franchir et on est de nouveau en gage. Voilà, sinon, bah, tourner le trou, j'ai fait un petit peu de trafic quand même après le trou à la maison là, avec ce petit Alago Delta Explorer 707 que j'ai récupéré. Il y a quelques petits problèmes sur les bandes basses, c'est traction, mais il y a des problèmes de puissance. On va essayer de réparer ça. Ça ne quasiment rien, donc on va le remettre en piste. Après, je vais dire ce que j'en ferai. Apparemment, il marche pas trop mal. Il est sorti de trafic sur 20 mètres avec. C'est en direct ici. Hein. Voilà, donc, petite journée de pro, on va dire, lambda. J'en profite pas pour saluer les amis écouteurs. Hein. Bernard, ouais, et Flandy, on vous embrasse bien. Lionel également, si tu es à l'écoute avec Léon. Florian, et puis tous les autres, et je pense aussi. Pour ce 4 Delta Yankee, j'espère que ça va mieux. Là, on a eu des nouvelles qui n'étaient pas très très bonnes là, de la part de Daniel l'autre jour. Donc, je ne sais pas s'il nous écoute, Laurent, mais on pense bien à lui. Là, on espère que la santé, ça va s'arranger. Hein. Voilà, et tous les autres écouteurs indicatifs ou non, là, à l'écoute du QSO. Hein. Voilà, les copains, ben, nous, normalement, les températures restent quand même relativement chaudes. Ça va baisser légèrement un petit peu dans la semaine, mais on ne va pas passer en dessous. Beaucoup en dessous des 31-32 degrés et a priori ça remonterait pour la fin de la semaine et la semaine prochaine. Hein. J'ai encore vu les 34-35 pour nous la semaine prochaine. Et pas beaucoup d'eau au programme. Hein. Voilà, c'est assez catastrophique à ce niveau-là. Voilà les copains, donc bah, je vais redonner le micro du côté de TikTok. Et puis moi je passerai un tour pour vous saluer. On va rembobiner les pieds parce que ce soir on va les coucher pas trop tard. Demain le réveil sonne très tôt. Roussel Bravo 3, Mike Mike pour l'ensemble du QSO. Florida 4 Delta, Zulu Gold, portable, à toi Marie-Guette. Ok, juste en vitesse, hein, parce que j'ai prêt qui va arriver. Au 49 là, voilà. Je sais pas où c'est qu'on va finir, mais on aurait dit que quand
c'est fini, ça recommence. Hein. C'est chaque année la même chose parce que ce sera la saison des inondations. On connaît la musique par cœur. Voilà, on commence à rien d'autre de particulier. Je repasse le micro tout de suite à Joël qui m'a fait une petite mélodie. Oui, merci Christophe. On se revoit votre troisième petit match match pour votre temps qui est bien passé à 6-0 pour le groupe. Donc, je salue tous les messages à l'équipe. Merci vraiment. Pour l'aéroport, François Lionel, depuis le Mont Revin, c'est un peu moins bon que d'habitude. D'habitude, c'est plus 20, et là, aujourd'hui, c'est uniquement plus 15, on va dire. On va dire ça comme ça. En tout cas, ça passe bien pour tout le monde, malgré le bruit et les conditions. Voilà. Donc, François 5, Juliette Roméo Yankee, de François 4, il y a Papa Yankee. Oui, c'est Joachim, quand il dit Papa Yankee, 5, Juliette Roméo Yankee qui remporte. Oh, ça va être mon dernier tour, hein. C'est pas bien tard, c'est à peine 22h, bon, enfin, je vais oublier Marie de là quand même, il y a tellement de queue, hein, ça craque tellement, heureusement que vous passez tous à peu près plus, alors j'arrive à côté quand même assez correctement, mais c'est assez pénible de voir comme ça craque, hein. Voilà, c'est la radio, quoi, je pense qu'il doit y avoir des perturbations un petit peu partout, c'est pour ça que ça gêne un petit peu, bon, enfin, le QSO, c'est quand même passé correctement. Voilà, toutes les choses de mon côté. Donc, je vais vous saluer. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Un bon pompe demain pour les oreilles qui travaillent. On va bien penser à vous. J'ai une bonne 513 aux écouteurs aussi, 88 aux YL. Et mon point, je vous dis certainement demain, dans peut-être des meilleures conditions, moins de craquements, on verra bien. Allez, Daniel, F4 Golf Lima Radio pour l'ensemble du QSO. F5 Juliette Roméo Yankee qui vous écoute. Mais qui va pas reprendre, je suis passé en QRT. 73. Thank you.
bien bien pris, hein. C'était un peu plus costaud là sur tour. Fox 4 India November Papa, pour l'ensemble du QSO. Fox 4 Delta Zulu Golf en portable, hein, de Dossier de Mont-Rolland, qui avait des pointes à plus 10 pascal. Hein. Voilà, ouais, le réveil sonne à 5h demain et puis décollage. Décollage avec la 4L direct avec les bains à 5h30. Voilà, donc je vous remercie tous là. Amitié à tous les OM, 88 aux YL bien entendu, amitié renouvelée, bien entendu à tous les amis SWL. Je vous donne rendez-vous demain soir, normalement je serai ici. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et au plaisir de vous écouter. Allez, je vais retourner le micro à Christophe et puis ensuite je vais aller rembobiner le fil. Faut que j'aille descendre sur la piste de ski là et aller dans le sapin. On va rembobiner tout ça. Allez, amitié à tous, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike Mike, ici Fox 4 de Delta Zulu Golf en portable. Émission terminée. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et bon courage à ceux qui sont en semaine, notamment Laurent et Pascal. Bon, pour moi aussi, demain matin, c'est levé aux aurores, donc j'ai bossé. Bon, il y en a qui n'ont pas la clim dans la voiture, donc c'est un peu plus délicat pour aller travailler. Et bon courage à tous. Donc, je te retourne au micro. Je suis de la première fois.